Bonjour, je m'appelle Renée Gendron, je suis la coordonnatrice principale de Paro. Paro est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin. Nous offrons des prêts entre pairs, des prêts jusqu'à 50 000 $, de l'accompagnement d'entreprise et aussi de la programmation pour former les femmes en entrepreneuriat et les domaines connexes. J'aimerais présenter Mme Shiraz Gaib. Elle va nous informer comment devenir plus à l'aise avec notre argent. Donc, Shiraz, je vous cède la parole. Merci René, merci et merci à vous qui êtes là et qui offrez, qui offrez cette forme d'énergie. On va beaucoup parler d'énergie aujourd'hui et l'attention et le temps en font partie. Je vais partager mon écran pour pouvoir mettre des diapositives et n'hésitez pas à intervenir ou à poser des questions. Ça ne me déstabilise pas du tout, au contraire, ça me permet peut-être même d'orienter la discussion et le partage. Donc, on y va. OK. Donc, je pense que je vais laisser ça comme ça. Ce sera une manière de voir un petit peu où on en est à chaque fois au niveau de... Alors, donc, le thème d'aujourd'hui, c'est de transformer sa relation avec l'argent. Donc, qu'est-ce que j'entends par transformer sa relation avec l'argent? En fait, le but de ce webinaire, son intention, c'est de vous livrer, de vous partager ma vision énergétique pour pouvoir avoir des clés pour assainir votre lien à l'argent. Et la finalité de ce webinaire, c'est de pouvoir apprendre à fixer des tarifs facilement et en toute sérénité. C'est un peu la promesse de notre partage de ce matin. Donc, on va voir dans la première partie, on va comprendre déjà pourquoi l'argent est un sujet sensible. Si vous êtes ici, il y a probablement quelque chose en lien avec l'argent qui réveille quelque chose d'inconfortable ou de désagréable en vous. On va voir un peu pourquoi l'argent est un sujet sensible. Ensuite, on va découvrir ce qu'est l'argent sur le plan énergétique. Et là, je vais vous partager ma vision énergétique des choses. Et puis, dans la troisième partie, je vais vous expliquer ma méthode pour établir des tarifs facilement et en toute sérénité. Ça vous va comme programme? OK, super. Alors, on y va. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, j'ai un background très scientifique. À la base, je suis ingénieure en mécanique. Donc, vous imaginez le cerveau que je me suis trimballé les premières années de ma vie. Et puis, j'ai fait un rêve en 2009 et ce rêve a littéralement transformé ma vie, autant de l'intérieur que de l'extérieur. C'est un rêve dans lequel ce que moi, je qualifie d'âme, donc mon âme m'a parlé, m'a guidé, m'a montré un chemin que j'ai décidé d'emprunter et de suivre. Et c'est comme ça que j'ai opéré ma reconversion professionnelle. Et en 2021, donc j'ai sorti un livre dans lequel je raconte tout ça. Le livre qui s'appelle Cesser de survivre, commencer à vivre, raconte un peu comment, grâce à nos trois centres énergétiques de décision, qui est l'antenne intérieure connectée à notre capacité d'instinct, notre cœur qui est connecté à notre âme et qui a une capacité intuitive, et puis notre mental qui est branché à l'ego et qui nous permet de passer à l'action. Quand on aligne nos trois centres énergétiques de décision, on peut littéralement changer notre vie. Et c'est comme ça que j'aide les plus de 1 000 personnes que j'accompagne maintenant, autant en feng shui qu'en coaching. Je les aide à mieux s'écouter et aligner leurs trois centres énergétiques de décision afin de pouvoir vraiment vivre une vie qui leur ressemble, parce que c'est un peu le but de mon accompagnement, ce que j'appelle ma mission, c'est vraiment d'aider les personnes à vivre une vie qui leur ressemble. Et qui leur ressemble, c'est ensemble qu'on définit ça. Ma grande passion, c'est les chroniques et les interviews en direct. Donc, la télé, la radio, je fais ça depuis plus de 5 ans maintenant. Et pour moi, c'est un vrai bonheur de pouvoir partager ça en direct avec peut-être l'interactivité, les interactions qui permettent de plus d'authenticité et de spontanéité. Allez, passons maintenant au vif du sujet. Donc, il y a certaines choses qui vont venir parasiter notre relation à l'argent. Peut-être que vous vous êtes déjà dit que le moment le plus difficile, c'est celui où on parle d'argent.
que ce soit au niveau de notre sphère personnelle et au niveau de notre sphère professionnelle. Peut-être qu'on est mal à l'aise, peut-être que on ressent le besoin de justifier nos tarifs, de dire oui, mais la matière première a augmenté, ou bien parce que il y a ci, il y a ça. Donc ça, c'est des signes qu'on a quelque chose qui parasite notre relation à l'argent. Et puis, vous êtes aussi peut-être dit que les tarifs que vous demandez sont trop bas, ou bien qu'ils sont trop élevés, ou parfois même les deux en même temps. C'est ça qui est très drôle, c'est que des fois, on a le sentiment que notre tarif, ben, il est juste, mais dès qu'on est confronté à un client potentiel, ben, du coup, il va nous paraître trop élevé. Alors, on va le baisser, et puis après, il va nous paraître trop bas, et on est là en permanence dans cet aller-retour entre trop bas et trop élevé. Et peut-être que vous vous êtes dit un jour aussi que le meilleur moyen ou le seul moyen de vendre, c'était d'avoir le tarif le plus bas. Si vous vous êtes dit une de ces choses-là, ça veut dire que probablement il y a quelque chose qui parasite et c'est ça qu'on va aller décortiquer aujourd'hui. Alors, on va commencer par la première partie et on va comprendre pourquoi l'argent est un sujet sensible. Alors, l'argent est un sujet sensible parce qu'en fait, l'argent est une énergie. Et cette phrase, on l'entend beaucoup, surtout avec tout ce mouvement d'éveil de conscience, de spiritualité. On entend très souvent les gens dire, oui, mais l'argent, c'est une énergie, l'argent, c'est une énergie. Oui, c'est vrai, l'argent est une énergie, mais il y a d'autres formes d'énergie. Mais l'argent, c'est la seule forme d'énergie qui est mesurable et quantifiable. C'est-à-dire qu'un billet de 10, c'est 10. Un billet de 100, c'est 100. On ne va pas pouvoir dire que 10, c'est 9 ou c'est 11. Non, c'est 10. Donc ça, c'est ça qui fait que la particularité de cette énergie qu'est l'argent. Et là où ça devient un défi pour certaines personnes, c'est lorsque, par exemple, on vend notre temps ou on vend notre créativité ou on vend un service qui est vraiment basé sur notre énergie personnelle. Là, on va avoir comme un espèce de raccourci qui va lier l'argent à la valeur de soi. Mais réellement, c'est on va lier l'argent à la valeur de ce qu'on propose. Et ce qu'on propose, si c'est lié au temps ou à notre énergie, on va directement la relier à nous-mêmes. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir un parasitage. Mais quand on regarde les différentes formes d'énergie, on va trouver en fait que, par exemple, l'attention, c'est de l'énergie. Une concession, c'est de l'énergie. Donc, il y a plusieurs formes d'énergie qui vont faire que il n'y a pas que l'argent, il y a plein d'autres formes aussi, mais il se trouve que l'argent, on peut le compter, on peut le mesurer, et en ça, il y a quelque chose de factuel. En revanche, on va voir aussi, d'un autre côté, que ce qu'on va acheter avec l'argent qui est factuel, mesurable et quantifiable, la valeur de ce qu'on perçoit, de ce qu'on achète, va différer. Par exemple, si on décide de s'acheter des vêtements, eh bien, on rentre dans un magasin et puis on va voir que certaines personnes vont dire, mais c'est très cher. D'autres vont dire, non, c'est très raisonnable. Et d'autres encore vont dire, mais c'est vraiment bon marché. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence? C'est parce qu'en fait, même si la mesure de l'argent est objective, sa valeur est subjective. Et c'est ça où il y a vraiment quelque chose à aller explorer et à aller comprendre pour pouvoir se libérer de tous les parasitages qu'on a dans notre relation à l'argent. La valeur de l'argent est relative. Et je vais vous donner un exemple pour ça. Par exemple, rappelez-vous à 7 ans, quelle était la valeur que vous attribuez à un billet de 10 dollars par rapport à aujourd'hui. Donc, on voit bien que la valeur de l'argent est relative, même si la mesure de l'argent est objective. Et puis, imaginons que nous soyons dans un endroit où il n'y a pas de magasin, c'est la nuit, tout est fermé, et puis il y a un distributeur de bouteilles d'eau, mais qui n'accepte pas les cartes, il accepte uniquement les billets de banque. Imaginez le billet de 10 dollars à ce moment-là, quand on a vraiment très très soif. Là, du coup, ce billet de 10 dollars va devenir extrêmement précieux. Il va avoir une très très grande valeur.
C'est ça qui fait toute la difficulté, la sensibilité de ce sujet qu'est l'argent. C'est que une même somme, donc une même énergie, n'a pas la même valeur à nos yeux selon la période de notre vie, selon la période de la journée, selon les situations. Et puis, il n'y a pas aussi que ça qui va parasiter notre relation à l'argent. Il y a aussi l'argent, ce qui a été raconté au niveau de l'argent dans la famille. Quelle place avait l'argent dans la famille? Quelle était la façon de parler d'argent de vos parents? Qu'est-ce que vous avez compris quand vous étiez enfant au sujet de l'argent? Est-ce que l'argent sépare les membres de la famille? Peut-être parce qu'il y a eu un épisode douloureux familial. Est-ce que l'argent rend malheureux ou est-ce que l'argent est une monnaie d'amour? Quelles étaient les histoires qui se racontaient au sujet de l'argent dans la famille? En prenant conscience de ça, vous allez très probablement découvrir vos vérités personnelles, qui sont en fait des croyances qui ont été tellement répétées que ça devient véritablement des vérités personnelles. Vous voyez? Donc, je vois qu'il y a un message dans le chat, je vais le lire tout à l'heure et on va certainement réagir par rapport à ça. Ça, ce sont toutes les conclusions qu'on a tirées quand on était enfant qui forment nos vérités personnelles, qu'on ne remet même plus en question. Mais il y a une phrase que je dis souvent dans mon accompagnement, je dis, ce qui est vu ne peut plus avoir d'emprise sur nous. À partir du moment où on identifie une croyance, elle ne peut plus avoir le contrôle sur notre vie. Nous reprenons le contrôle de notre vie. Même si elle peut influencer, même si elle peut faire un peu mal et titiller, elle n'aura plus le contrôle sur notre vie puisqu'elle aura été vue. Donc là, je vous invite vraiment à faire cet exercice, peut-être tout à l'heure, ce soir, demain matin, quand vous aurez un moment et l'élan de faire ça, c'est de lister toutes les choses qui se racontaient pour pouvoir vous en libérer définitivement et totalement. Et puis, il y a également notre expérience personnelle avec l'argent. Peut-être qu'il nous est arrivé une période de notre vie où on a senti un manque, où on a peut-être eu des désirs d'achat ou d'investissement et qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'on en manquait. Tout ça, ça forme encore une fois nos vérités personnelles en lien avec l'argent. Toutes les expériences personnelles qu'on a vécues vont impacter notre relation à l'argent et parfois même les parasiter. Et puis, il y a également ça, il y a également ce qu'on raconte, ce que le monde raconte au sujet de l'argent. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent en vous par rapport à l'actualité? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous inquiète en lien avec l'argent? Tout ça, eh bien, ça va faire un cumul, un paquet de croyances, de vérités personnelles qui vont parasiter, impacter, influencer notre relation avec l'argent. Voilà pour les différents éléments qui font que peut-être l'argent peut être vraiment un sujet très sensible dans notre quotidien. Donc là, on va passer à la deuxième partie où on va découvrir la signification énergétique de l'argent. Pour les personnes qui me connaissent un peu ou peut-être qui me découvrent, j'attribue une très grande importance à la vision énergétique des choses parce que, à mon sens, c'est comme dans un iceberg, il y a la partie visible et infime, la partie invisible est vraiment très grande. Et ce ne sont pas les situations qui impactent notre quotidien, mais c'est notre vision des situations qui vont impacter notre quotidien. Et depuis que je suis dans l'exploration et l'apprentissage de toute cette grande partie invisible énergétique, eh bien, je découvre qu'en fait, il y a un pilier essentiel qui régit tout ça, c'est le pilier de la loi d'équilibre et donc de ce fait du principe de réciprocité énergétique. Je crois très fort que l'univers tend toujours vers l'équilibre et que toute situation tend toujours vers l'équilibre. Ça, c'est ma vérité personnelle que je partage, mais bien sûr, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous. Mais si on se base sur cette loi de l'équilibre, eh bien, ce qui va se passer, c'est que on va toujours être à la recherche de rééquilibrer les choses. Je ne sais pas si ça vous parle, mais personnellement, quand on m'offre quelque chose, il y a un truc qui s'ouvre
quelque part dans ma mémoire pour pouvoir rééquilibrer qu'est-ce que je vais offrir en retour à la personne, comment je vais pouvoir la remercier pour ça, parce que l'être humain, bon, en tous les cas, les personnes qui sont dans la volonté de l'équilibre entre les personnes, hein, je ne parle pas de la petite part infime qui cherche à prendre, il y a toujours des preneurs, hein, mais on est vraiment dans la généralité, toutes les personnes qui reçoivent quelque chose ont l'élan de donner aussi. C'est la loi de la réciprocité énergétique. Et donc, en fait, lorsque on voit ça, on va comprendre qu'il y a une partie qui est une expérience, un ressenti. Et c'est pour ça que je dis que nous avons toutes et tous un détecteur invisible d'équilibre entre donner et recevoir. On va sentir les relations dans lesquelles c'est déséquilibré. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais oui, je vois des oui. Donc c'est vraiment un ressenti physique, sensoriel, peut-être parfois émotionnel, mais c'est un ressenti qui est vraiment là. On peut pas le créer, on peut pas l'inventer. Et qu'est-ce qui se passe alors quand on sent qu'il y a une belle présence de réciprocité énergétique? Ben, ça nourrit la relation, ça la fait grandir. J'aime bien représenter une relation comme si c'était un arbre. Eh bien, on va arroser, prendre soin de l'arbre, on va nourrir la relation d'une manière réciproque. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a une absence de réciprocité énergétique? Souvent, on va ressentir de la frustration, de l'agacement, parfois même de la colère. Et cette colère, elle vient, chaque émotion est un messager, et la colère, elle vient dire, attention, il n'y a pas de réciprocité énergétique. Il va falloir réparer ça parce que là, ce n'est pas OK au niveau de l'équilibre dans la relation. Et s'il n'y a pas de correction en termes de réciprocité énergétique, le risque, c'est que la relation prenne fin. Que ce soit une relation amicale, sentimentale, professionnelle, s'il n'y a pas de réciprocité énergétique, la relation prendra fin. Si notre client a le sentiment qu'il n'y a pas de réciprocité, il va cesser d'être notre client. Si nous, on a le sentiment de donner trop et que le client n'arrête pas de prendre sans donner grand-chose en contrepartie, on va être fatigué, épuisé, on va avoir envie de lui dire, tu sais quoi, c'est bon. J'arrête cette collaboration. Donc, il y a vraiment ce besoin de réciprocité et cette réciprocité est purement une perception très personnelle. C'est une expérience intérieure très personnelle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez dans votre entourage, mais dans mon entourage, je vois qu'il y a des personnes qui acceptent l'inacceptable. Et de mon point de vue, cette relation n'a pas de sens. Mais de leur point de vue, elles sont en train de recevoir quelque chose que je ne vois pas ou peut-être que je ne valorise pas. Et de ce fait, elles sont bien dans leur relation où elles acceptent ce que moi je trouve être inacceptable. Donc c'est vraiment une expérience très personnelle. Et la seule personne qu'on a besoin d'écouter, c'est nous-mêmes. C'est comment je me sens dans cette relation avec un client, avec un partenaire professionnel, avec peut-être quelqu'un chez qui moi-même je suis cliente, c'est de vérifier tout ça et de faire confiance en ce détecteur d'équilibre invisible intérieur qu'on a toutes et tous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'être humain a besoin de réciprocité et d'équilibre dans chacune de ses relations. On a besoin de ça. Parce que c'est, à mon sens, un besoin humain vital, l'équilibre dans les liens qu'on a. Alors, il y a bien sûr une seule exception, c'est la relation entre les parents et les enfants, parce que celle-ci, les parents donnent et les enfants, ils ne donnent rien. Ils vont donner à leur tour à leurs propres enfants. C'est la seule exception à la règle, mais dans toutes les autres relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, la loi de l'équilibre énergétique, le principe de la réciprocité énergétique, c'est ça qui va régir les relations. Mais encore une fois, on a bien parlé de valeur perçue. Encore une fois, l'équilibre, c'est entre la valeur perçue reçue et la valeur perçue donnée. Pourquoi je souligne le terme perçue? Parce qu'en fait, on n'accorde pas la même valeur aux choses selon notre vécu et selon nos désirs. À mon sens, ce qui augmente la valeur de quelque chose,
c'est en fait proportionnel au désir qu'on a d'obtenir quelque chose. Si par exemple, je souhaite atteindre le poids dans lequel je me sens en forme, ce que j'appelle moi par exemple le poids optimal ou le corps que je considère être idéal, si j'ai un fort désir d'atteindre ça, je vais investir de l'énergie pour y arriver. Qui dit investir de l'énergie, ça va être du temps pour suivre un programme, par exemple, du temps pour se préparer des repas plus équilibrés. Ça va peut-être être des compromis, des concessions qu'on va faire, par exemple, en termes de vie sociale, il va y avoir des choses qui vont être touchées. On va aussi payer de l'argent pour avoir la meilleure personne pour nous guider et nous enseigner comment rectifier notre alimentation pour ça. Tout ça, c'est ce dont on a besoin. Mais réellement, ce qui va animer notre élan de payer de l'argent, c'est le désir qu'on a d'obtenir un résultat donné. Donc la valeur perçue est très personnelle. Si quelqu'un a besoin de revoir, par exemple, son alimentation, mais ne ressent pas le désir de changement, il ne va jamais investir ni du temps, ni de l'énergie, ni de l'argent. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très personnel comme valeur perçue, autant reçue que donnée. Et l'idéal, l'optimal, c'est que l'accord soit mutuellement bénéfique. Donc quand il y a un accord mutuellement bénéfique, c'est-à-dire qu'on va recevoir plus que ce qu'on a investi et que le client va également recevoir plus qu'il ne paye, là, je peux vous assurer que vous êtes parti sur une relation de confiance avec votre client, mais dans une relation vraiment pérenne et qui va durer parce que tant que on donne et on reçoit d'une manière équilibrée ou lorsque à chaque fois l'autre va donner un peu plus, on va être toujours dans cette dynamique de croissance de la relation, qu'elle soit encore une fois personnelle ou professionnelle. Il y a une personne qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est un monsieur qui s'appelle Chris Do, et lui, il parle d'un concept qui s'appelle le double merci. Donc moi, je suis pleine de gratitude et je dis merci à mon client de me faire confiance et de me donner son argent pour pouvoir, en contrepartie de la prestation du service ou du produit que je lui propose. Et mon client aussi, il me dit merci d'exister parce que je lui offre la solution optimale à son désir ou à son défi. Donc c'est un double merci. Et quand on est dans la situation de double merci, on est vraiment dans la configuration optimale. Et donc de ce fait, un prix sera trop élevé, juste ou très bon marché, selon la valeur de l'offre perçue par le client. Donc qui dit valeur de l'offre perçue par le client, dit ça dépend du client. Donc, ce n'est pas moi qui ai le contrôle de la valeur de mon offre, de mon produit, de ma prestation. C'est mon client qui va définir quelle est la valeur de l'offre. Et là, on parle vraiment du coup de client idéal, parce que si c'est mon client idéal, alors il va voir beaucoup de valeur dans ce que je propose. Si ce n'est pas mon client idéal, il va peut-être me dire c'est trop cher. Si j'écoute les personnes qui ne sont pas mes clients idéaux me dire que c'est trop cher, ça peut me déstabiliser. Surtout que l'argent, c'est un sujet sensible. Alors que c'est trop cher ou c'est bon marché, ça, je n'ai aucun contrôle dessus, c'est le client qui va dire. Et on va voir dans un instant les différents types de clients possibles. Mais déjà, c'est de comprendre que on ne peut pas convaincre quelqu'un qu'il a besoin de quelque chose, puisque la valeur est proportionnelle au désir qu'il a de changer. Et donc, on va arrêter d'essayer de convaincre les gens qu'ils en ont besoin. Le grand piège, c'est que nous, on considère qu'il y a tellement de valeur, à notre offre, mais c'est normal parce que nous sommes notre client idéal. Nous avons conçu un produit ou un service qui résout le problème à la personne qu'on était il y a quelques mois ou quelques années. Donc forcément, pour nous, c'est la solution idéale. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et d'essayer de convaincre la personne que notre offre a de la valeur, c'est un gouffre énergétique sans fin. On est épuisé. Donc vraiment, si j'ai une recommandation, c'est ne cherchez à convaincre personne. Aidez les personnes qui sont déjà convaincues que vous avez la solution optimale pour elles et qui sont prêtes à investir de l'énergie, incluant de l'argent, pour
obtenir cette solution de chez vous. Et pour pouvoir comprendre qui est votre client idéal, bien évidemment, là, vraiment, c'est un S en trop dans importance. Donc, c'est vraiment l'importance des sondages et des enquêtes clients pour identifier le désir de votre client ou bien son défi, le défi qu'il aimerait vraiment surmonter. Quand on a un désir et qu'on sait comment y aller, le réaliser, on a besoin de personnes, on va y aller. Si j'ai un désir de boire de l'eau fraîche et que j'ai un robinet sous la main, je vais prendre ce verre d'eau fraîche, ça c'est évident. Mais s'il y a un obstacle entre moi et mon désir que je n'arrive pas à surmonter, c'est ça le défi qu'on peut aider nos clients idéaux à résoudre. Et s'il y a un désir qu'ils veulent obtenir et que nous, on sait, on connaît le chemin, donc là, c'est vraiment là où on devient la personne idéale ou qu'on offre le produit idéal pour ces clients-là. Regardons par exemple la valeur d'une bouteille d'eau. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un robinet. Si vous allez dans la rue et que quelqu'un vous propose des bouteilles d'eau du robinet, je ne pense pas que vous allez payer quelque chose parce que vous savez que vous rentrez chez vous, vous ouvrez le robinet, vous avez exactement la même chose quasi gratuitement. Mais si par exemple vous allez au supermarché, vous allez voir que toutes les bouteilles d'eau qui se vendent, elles ont ce truc en plus. S'il y avait de l'eau de robinet dans les supermarchés, je ne pense pas que ils vendraient quoi que ce soit. Mais c'est l'eau qui est pétillante, l'eau qui est aromatisée, l'eau qui a des oligo-éléments particuliers, l'eau qui va aider le drainage, l'eau qui va ci, l'eau qui va ça. Donc il y a de la valeur en plus de l'eau à concrètement parler. Imaginez maintenant que vous soyez au cinéma et qu'il est interdit de faire entrer des bouteilles d'eau. Donc, si vous avez soif, votre seule option, c'est d'acheter une bouteille d'eau du magasin du cinéma. Et là, il va y avoir plus de valeur que vous allez être prête à payer à cause de la rareté, justement, de l'eau. Si je pousse à l'extrême les situations, imaginons qu'on soit dans le désert et là, soudainement, apparaît un vendeur d'eau. Là, c'est sûr que vous allez payer très cher pour cette eau-là parce que il y a un effet de rareté. Et c'est pour ça que, en fait, ce qui se passe, c'est que si on cumule désir et rareté, eh bien, on a vraiment un duo en or. Le duo en or, c'est le couple désir-rareté. Mais il y a quelque chose de très important que j'aimerais souligner, c'est que si on veut construire une relation de confiance à long terme avec notre client, c'est important de ne pas profiter de la rareté situationnelle, comme par exemple de l'eau dans le désert. De l'eau dans le désert, le gars qui vend de l'eau dans le désert, il ne cherche pas à faire une relation de confiance à long terme avec son client, il cherche juste à profiter du fait qu'il soit le seul à vendre dans une situation où les gens risquent d'avoir vraiment le désir de boire de l'eau. Mais si la rareté, elle est liée à votre unicité, à ce truc que vous avez que personne d'autre n'a, vous allez cumuler désir et rareté dans une relation sur le long terme de confiance avec vos clients. Et c'est ça que j'encouragerais plus. On va voir tout à l'heure un exemple de quelqu'un qui profite de la situation. À mon sens, ce n'est pas viable sur le long terme. Donc, si vous avez le désir de votre client et que vous avez quelque chose d'unique en vous, vous allez pouvoir vraiment, je ne sais pas moi, développer une activité qui soit très très bonne pour vous sur tous les plans, épanouissement, argent, etc. Et vos clients, ils seront heureux, ils vous remercieront, ils seront même pressés de venir vous payer, tellement ils ont hâte d'accéder à la solution que vous proposez. Et puis, la valeur de quelque chose est toujours quelque chose de très très personnel. Par exemple, quelle est la valeur d'une coupe de cheveux à vos yeux? On va prendre l'exemple d'un coiffeur qui travaille sur rendez-vous, qui s'engage à être très ponctuel et qui est extrêmement rapide, c'est-à-dire que voilà, tout le processus est tellement bien étudié que entre le moment où vous entrez chez le coiffeur et le moment où vous sortez, c'est 30 minutes maximum top chrono. Quelle est la valeur que vous donnez à cette prestation-là? Si vous êtes très pressé, très sollicité, que vous avez vraiment envie de faire ça d'une manière très rapide, vous allez payer plus qu'une coupe standard
pour pouvoir accéder à cette vélocité qui est offerte. En revanche, si vous êtes plutôt quelqu'un, par exemple, vous avez quelque chose qui vous retient à la maison, peut-être un bébé en bas âge, etc., et que vous avez envie de vous offrir un moment rien que pour vous chouchouter, pour vous faire du bien, c'est votre sortie de la semaine, vous n'avez pas envie qu'on se presse à vous couper les cheveux en 30 minutes, vous avez plutôt envie de venir, de discuter un peu ici, là, vous avez envie que ça prenne 2 heures parce que c'est vraiment votre moment de détente à vous. Et donc, en fait, cette personne qui propose une coupe en 30 minutes du début jusqu'à la fin, ça ne va pas vous séduire et vous n'avez pas envie de donner de l'argent pour ça. Donc, c'est vraiment très, très personnel. C'est pour ça que quand on offre quelque chose, l'histoire, c'est vraiment de trouver les personnes pour lesquelles votre offre est compatible à leur désir. La vente est une question de compatibilité. On va revenir sur ce point-là tout à l'heure, mais c'est vraiment ça en fait. C'est une question de compatibilité entre ce qu'on offre et nos clients idéaux, le désir de notre client idéal. Et puis, il y a aussi autre chose qui a de la valeur, c'est la communauté. Seth Godin parle de tribu et dans son approche de marketing qu'il propose, il dit que la puissance de la communauté est liée au fait que des personnes comme moi font des choses comme ça et achètent ces produits-là. Et c'est pour ça qu'il y a des effets de mode pour certaines marques, parce qu'il y a cet effet de puissance de communauté où on se dit, moi aussi, je veux faire partie de cette communauté, moi aussi, je veux avoir, je sais pas, là, ça me fait penser aux années 90 pour le Levi's, ça peut être aussi la marque Apple, tous les Macs. Tout ça, ça fait qu'il y a une forme de valeur qui est créée rien que par le fait qu'on fait partie d'une même communauté. Et c'est ça qui est très puissant dans la communauté, c'est que ça crée de la valeur. Donc, j'ai pris l'exemple d'Apple. Donc, quand on commence à être client d'Apple et qu'on achète un produit Mac, on a souvent tendance après à rester et acheter que du Mac, même si réellement la valeur d'un ordinateur d'Apple, technologiquement ou techniquement, il y a d'autres produits qui ont beaucoup plus de valeur sur le plan technique. Mais c'est la force et la puissance de la communauté. C'est je veux faire partie de cette famille Apple parce que je crois en leur vision, je crois qu'ils sont dans l'innovation vraiment extraordinaire et cette communauté m'intéresse, donc je lui attribue une certaine valeur. Et donc, quand on mixe tout ça, quand on regarde un petit peu ce que je pense donner, donc en argent, par exemple, et ce que je suis en train de recevoir, on va vérifier ensemble comment on peut pérenniser des relations avec les clients. C'est lorsque, par exemple, donc en bleu, c'est ce que ça me coûte et en vert, c'est ce que ça m'apporte. Donc, généralement, je vais prendre les coûts de matières premières s'il s'agit d'un produit ou bien le temps que je passe sur une prestation si je suis consultante. Je vais regarder ça et je vais le comparer avec l'argent que je reçois, donc en vert, et lorsque je reçois plus que ce que je n'ai donné, ben, la différence, c'est la valeur que je reçois. Et ça, je continue à le faire tant que je suis dans cette configuration où je reçois plus que ce que je ne donne. Et de l'autre côté, votre client, eh bien, c'est la même logique. En bleu, c'est ce qu'il va payer, et en vert, c'est la valeur perçue de ce qu'il va recevoir. Donc, c'est comme si, en d'autres termes, il en avait pour son argent, ou il en a bien plus que pour son argent. Là aussi, c'est une configuration idéale. Quand on a les deux en même temps, c'est-à-dire je reçois plus que je ne donne et mon client reçoit plus qu'il ne donne, on va pouvoir rester comme ça, fournisseur-client pendant très, très longtemps. C'est ça la clé de la relation pérenne. Mais comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas que l'argent qui est de l'énergie, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, imaginons ici que je débute une activité ou une nouvelle offre et que je décide de ne pas me faire de marge dessus, c'est-à-dire que je vais vraiment proposer ça au prix coûtant pour les 10, les 100 premiers clients. Pourquoi est-ce que je ferai ça? Parce qu'en même temps que je reçois de l'argent, je vais aussi recevoir de la confiance qui va peut-être
déclencher un processus de bouche à oreille qui va m'apporter encore de nouveaux clients, la notoriété, tout ça, ce sont des formes d'énergie. L'attention est une énergie, le temps est une énergie, le service est une énergie. Quand un client me recommande à quelqu'un qu'il connaît, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et donc, c'est intégré dans ce que je suis en train de recevoir énergétiquement. Et c'est pour ça qu'au début, pourquoi ne pas proposer des choses à prix coûtant pour 10, 3, 100 clients, ça va dépendre de notre offre, juste pour pouvoir déclencher quelque chose qui est, je reçois leur confiance, leur recommandation, je commence à me faire connaître. Ça, c'est ce que moi, je peux recevoir en plus de l'argent. Et mon client peut aussi recevoir en plus que ce qu'il paye, c'est-à-dire, il va considérer que ce qu'il achète est équivalent au prix qu'il paye. Donc, il n'y a pas un plus. Mais il peut ressentir de la valeur dans certaines choses. Par exemple, la fiabilité. On a tendance à vouloir, c'est humain, on a tendance à vouloir être sûr. La certitude, c'est un besoin humain aussi. Tony Robbins parle de six besoins humains et la certitude en fait partie. Donc, ce besoin de certitude, c'est d'être sûr de ne pas regretter l'achat ou de ne pas se faire avoir. Les clients n'aiment pas ressentir cette pression parce qu'il y a une forme de pression. Donc, lorsque on offre une valeur sûre, quelque chose qui va éliminer cette crainte, par exemple un délai de rétractation, on voit souvent au niveau des cabines d'essayage de boutiques de vêtements la phrase qui dit s'il y a trop de queue dans la cabine, vous pouvez rentrer et essayer chez vous, vous avez de toute façon 30 jours pour échanger. Donc là, ça va enlever cette pression de la peur, de la crainte de regretter l'achat. Et ça, le délai de rétractation, ça peut être vraiment un argument qui aide la personne à éliminer ou plutôt à obtenir ce besoin de certitude. Et puis aussi, il y a la personnalisation. Quand je personnalise mon offre par rapport à la personne, là, ça peut créer de la valeur pour mon client. Donc, à condition, bien sûr, qu'il y ait un match. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas que l'argent qui est monnayé entre nous. En fait, ce qui est réellement monnayé entre nos clients et nous, c'est de l'énergie. Et l'argent, c'est la forme d'énergie mesurable et quantifiable, mais il y a beaucoup d'autres énergies aussi. Par exemple, notre client, il peut payer très cher, beaucoup plus que la valeur matérielle de l'article, parce que il y a beaucoup d'autres choses qu'il valorise aussi, comme étant la valeur la plus sûre. Pourquoi certaines marques vont pouvoir augmenter leur prix? Parce que elles incarnent une valeur sûre. Avec nous, vous ne pouvez pas vous tromper. Encore une fois, ça élimine cette pression de la crainte de regretter son achat. Avec nous, vous ne pouvez pas vous tromper, ça a de la valeur. Les personnes comme moi achètent ce produit-là, donc l'effet communauté, ça a de la valeur. Et c'est ça que vous allez trouver dans les domaines du luxe. Vous allez trouver des tarifs très élevés que certaines personnes vont dire, mais pourquoi est-ce qu'on paierait aussi cher? Ben, on paye cher parce qu'on paye la valeur la plus sûre et on paye l'effet communauté. Et vous, de votre côté aussi, vous pouvez servir au mieux la communauté et ça crée de la valeur aussi et les personnes vont... La fidélisation client a beaucoup de valeur. La fidélisation client permet vraiment de se sentir, quand on propose quelque chose qui est vraiment exclusif, ça permet vraiment de sentir qu'on a une communauté qui est fidèle envers notre marque ou envers nos produits ou envers même des fois, c'est si on est consultant, si on est coach, ça peut vraiment être une forme d'énergie qui est vraiment inestimable. Donc, il y a énormément d'énergie à recevoir là aussi. Juste une petite chose au sujet du gratuit. Parce que très souvent, on a tendance à dire, je vais offrir quelque chose gratuitement et puis voilà, et comme ça, les clients vont acheter chez moi. Le gratuit n'est pas toujours perçu comme un cadeau.
D'ailleurs, si on se balade dans la rue et que quelqu'un nous tend quelque chose, c'est gratuit. Lui, ça lui a coûté de l'argent, mais pour moi, c'est gratuit. Eh bien, ça va m'encombrer, donc ça va me coûter le prix. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Où est-ce que je vais ranger ça? À qui je vais le donner? Ou est-ce que je le jette à la poubelle? Donc, on n'a pas envie de s'embarrasser avec des choses pour lesquelles on ne perçoit pas de valeur. Et là, je parle des échantillons. Si on a des produits, je parle des freebies, des documents gratuits qu'on offre, des e-books ou bien une période d'essai, par exemple, pour un abonnement quelconque. Ça doit avoir de la valeur pour vos clients. Si ça n'a pas de la valeur quand c'est gratuit, imaginez quand c'est payant. Ça n'aura pas de valeur non plus. Les gens ne vont pas acheter. C'est pour ça que des fois, on peut tester des choses gratuitement pour pouvoir voir un petit peu quel est le degré d'attraction de clients grâce à ça. Si les personnes sont très intéressées par quelque chose de gratuit, il y a de fortes chances pour que, on va dire, 1%, 5%, 10% soient des clients payants. Donc, ça vaut la peine de faire ce test-là. Mais il y a un prérequis très important. Le prérequis, donc oui, l'accord mutuellement bénéfique, encore une fois, c'est quand on a le sentiment d'avoir investi, qu'on reçoit plus que ce qu'on a investi et que le client reçoit plus qu'il ne paye, c'est ça. Mais il y a un prérequis très important, c'est la qualité, bien évidemment. Ça paraît comme ça basique, mais c'est important de le mentionner. Donc, sans qualité, il n'y a pas de pérennité possible. On peut attirer parce qu'on répond à un désir, à un défi du client et qu'il va avoir envie d'acheter notre solution. Mais si derrière la qualité ne suit pas, il n'y aura pas de bouche-oreille, il n'y aura pas de recommandations et il n'y aura pas de lien sur le long terme. Et donc la relation de confiance. Voilà un petit peu pour la signification énergétique. Là, on va passer à la troisième étape, qui est la méthode pour établir des tarifs facilement et en toute sérénité. Et c'est toujours basé sur la vision énergétique que j'ai dans les liens. La première chose, c'est comment est-ce que je sais que je donne plus que ce que je ne reçois? Le corps va me le dire. Il va y avoir de la fatigue physique. La fatigue est le signe qu'on donne plus qu'on ne reçoit. Si à l'issue d'une séance de consultation avec un client ou à l'issue d'une négociation de prix avec un potentiel partenaire pour mes produits, si je suis fatiguée à l'issue de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans le sens justesse, hein, pas dans le sens justice, il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la tarification. Donc moi, je recommande une seule chose, c'est d'augmenter les tarifs. Point barre. Quand quelqu'un me dit, j'accompagne beaucoup de coachs aussi qui sont en démarrage, quand quelqu'un me dit, je me sens épuisé, fatigué, est-ce que c'est vraiment ça mon métier? J'ai l'impression que je me suis trompé de vocation. Je dis, non, non, la vocation va très bien, augmente les tarifs et tu te sentiras beaucoup mieux physiquement. Et on a la crainte d'augmenter les tarifs parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur. On doit se dire, mais peut-être que la personne va se dire, mais pour qui elle se prend? Mais qu'est-ce qu'elle croit qu'elle est en train de vendre? Ou bien, est-ce que j'ai peur de paraître matérialiste? Tout ça, ça va venir parasiter l'augmentation de tarifs. Mais pour moi, augmenter les tarifs, c'est la meilleure manière de réagir à cette fatigue physique qui vient raconter qu'on donne plus qu'on ne reçoit. OK? Donc ça, c'est le premier cas de figure. Il y a aussi l'exemple de ce client qui veut une remise. Alors, quand vous avez en face de vous un client qui veut une remise, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan énergétique toujours? Ça veut dire qu'en fait, il vous a choisi. Il vous veut, vous ou votre produit ou votre offre. C'est ça qu'il veut parce qu'il y voit énormément de valeur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de distordre la réalité en disant oui, mais le voisin, là, il vend la même chose à moitié prix. Non, il ne vend pas la même chose. Sur le papier, ça peut être équivalent, mais réellement énergétiquement, ça ne vaut pas la même chose. D'ailleurs, cette personne qui veut une remise, si elle pensait que c'était équivalent, elle serait déjà allée acheter chez celui qui a à moitié prix. Ça veut dire qu'elle est en train de percevoir la valeur dans ce que vous offrez. Et là, moi, j'ai une recommandation dans cette situation.
posez-lui la question, pourquoi est-ce qu'il vous a contacté? Pourquoi est-ce qu'il veut votre prestation, votre offre, votre produit? Pourquoi? Et là, vous allez comprendre la valeur qu'il donne à votre offre. Et là, vous allez lui dire, OK, donc si vous voulez ça, cette valeur-là, c'est à ce prix-là. Mais si vous voulez moitié prix, il vaut mieux aller acheter chez l'autre parce que moi, je ne brade pas. Parce que brader aussi, après, ça a des répercussions physiques sur nous, cette fameuse fatigue. Donc voilà, c'est ça que je vous proposerais de lui demander, juste pour vous vérifier c'est quoi le point exactement auquel il donne beaucoup de valeur. D'un autre côté, un tarif qui est trop élevé va générer des tracas, des impayés, par exemple. Ça, ce sont des signes qu'on est en train de demander plus que la valeur réelle de ce qu'on propose. Pourquoi? Encore une fois, la loi de l'équilibre énergétique, encore une fois, l'univers tend toujours vers l'équilibre. Donc, si il n'y a pas de réciprocité, l'univers va nous enlever quelque chose, nous enlever un morceau d'énergie pour rétablir l'équilibre. Donc, quand il y a des tracas, quand il y a des impayés, c'est le signe que l'univers est en train de nous faire payer un peu de notre temps, de notre énergie, de notre attention pour rééquilibrer. Et ça m'est arrivé personnellement une fois. Et j'ai bien senti ce rééquilibrage de l'univers parce que c'est extérieur. Nous, on se sent très bien hein, quand on est bien payé. Mais là, il a fallu que je perçoive ces signaux pour dire, ah ok, donc là, il y a quelque chose qui n'est pas ok. Et puis quand j'ai refait mes calculs, c'était pour le devis d'un accompagnement de Feng Shui, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur de calcul et je suis revenue vers la cliente. On a rectifié ça et après, de nouveau, c'était fluide. Mais c'est d'écouter les signes. La vie n'est pas contre nous, l'univers n'est pas contre nous, il est juste en train de rétablir sans jugement. Cet équilibre et cette réciprocité énergétique. Donc, dans ce cas-là, il y a lieu de vérifier, peut-être qu'on s'est trompé dans les calculs, ou bien de réviser, ou bien de rajouter quelque chose pour créer plus de valeur, pour que ça devienne équilibré à nouveau. Également, un autre signe de déséquilibre énergétique, c'est quand des personnes vous ont recommandé au début, et puis d'un coup, on arrête de vous recommander. Ça, c'est vraiment le signe d'un tarif trop élevé ou bien peut-être d'une baisse de qualité, parce que des fois, il y a des personnes qui réussissent extrêmement bien avec un produit, qui font une variante moins chère pour gagner plus d'argent, ce qui est tout à fait compréhensible et naturel. Mais s'il y a de la baisse de la qualité, ça va être perçu chez les clients et donc il va y avoir un frein à l'expansion. Donc ça, ce sont des signes à prendre en considération. Et je termine avec ça, mais c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel, c'est l'importance de l'éthique et de la relation de confiance sur le long terme. Pour moi, le long terme et la relation de confiance a beaucoup de valeur et c'est pour ça que je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage et j'ai vraiment envie, disons qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent beaucoup d'énergie avec leurs prospects. Moi, c'est le contraire. J'investis énormément d'énergie avec les clients existants parce que je valorise énormément cette confiance et cette relation à long terme. Et là, c'est l'exemple dans le livre Influence et manipulation du docteur Robert Cialdini. Il donne l'exemple de ce monsieur qui avait une station à essence, d'essence et dans une période de pénurie, il a multiplié par 10 le prix de l'essence et ses clients habituels qui venaient tout le temps chez lui avec qui il avait cette relation à long terme, il leur a imposé ce tarif-là. Eh bien, il a perdu tous ses clients, il a dû fermer boutique juste après que la pénurie se soit résorbée. Alors que s'il avait, par exemple, dit, on est en situation de pénurie, mes clients vont avoir l'avantage sur le stock d'essence que j'ai au tarif habituel, là, je pense qu'il serait devenu vraiment très prospère sur le long terme. Donc, il y a vraiment ce choix de faire au niveau de la rareté. Est-ce que j'utilise la rareté pour profiter de la situation ou est-ce que je crée une offre rare et unique parce que je suis rare et unique qui va faire que les personnes vont devenir vraiment des clients heureux, épanouis et sur le long terme. Et le but réel du processus de vente, ce n'est pas de conclure une vente.
Le but réel du processus de vente, c'est de vérifier si la compatibilité entre l'offre qu'on propose et le désir du client. Et des fois, c'est étrange parce que quand quelqu'un vient vers moi et qu'il désire prendre un rendez-vous, je lui pose plein de questions avant et certains me disent, mais moi, je veux travailler avec vous, mais allez-y, donnez-moi un rendez-vous. Et je dis bien que on va prendre le temps, ça va durer 15 minutes ou un échange de trois courriels, juste pour nous assurer qu'il y a compatibilité entre notre offre et le désir du client. Ça, c'est la base d'une relation pérenne et satisfaisante mutuellement. Donc voilà, la vente, ce n'est pas conclure la vente. La vente, c'est de vérifier cette compatibilité-là, à mon sens. Et puis, une autre astuce aussi pour proposer des alternatives à nos clients, il y a ce qu'on appelle le principe de contraste, que je prends aussi, que j'emprunte aussi du docteur Cialdini. Ce principe de contraste, il dit que bon, l'être humain aime avoir le choix. Et généralement, à partir de trois options, on considère qu'on a le choix. Et si on ne propose pas trois alternatives à nos clients, ils vont constituer trois choix de trois entreprises différentes. Donc, si vous proposez trois alternatives, eh bien, vous allez pouvoir lui donner le choix qu'il désire et il trouvera ce qui lui convient le mieux. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de Mac. Il propose trois MacBooks. Comme ça, on a l'impression vraiment qu'on a le choix et on prend parmi ces trois-là, alors qu'on pourrait choisir entre MacBook et puis d'autres marques. Mais là, grâce à ce principe du contraste, on va pouvoir trouver notre bonheur dans la même entreprise. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes une fois qu'on a mis en mouvement tout ça? Eh bien, c'est toujours les mêmes étapes que je propose pour la suite. C'est un, de pratiquer. Ça ne sert à rien d'avoir une connaissance si elle reste dans notre tête. Il faut vraiment la mettre en mouvement, la mettre en vie. Donc, pratiquer, c'est très important. C'est quoi concrètement ici, pratiquer? C'est de prendre le temps de faire la liste des croyances familiales au sujet de l'argent, des croyances personnelles au sujet de l'argent. C'est de prendre le temps de dire comment je me suis sentie lorsque j'ai proposé mon offre à tel tarif, comment ça s'est passé avec mes clients. Est-ce que je me sens fatiguée? C'est vraiment d'être dans l'écoute intérieure, dans l'exploration intérieure, donc observer. Et puis, c'est d'ajuster, de dire, tiens, là, je me sens tellement fatiguée. Et si je faisais quelque chose de différent et qui va me permettre d'augmenter mes tarifs? Comment est-ce que ça me ferait sentir? Comment est-ce que mes clients vont réagir par rapport à ça? Et une fois que j'ajuste, je vais continuer encore une fois à observer. Et puis on recommence. Je pratique, j'observe, j'ajuste, je pratique, j'observe, j'ajuste. Ça, c'est ce que je propose d'une manière, on va dire, générale dans toutes les pratiques. Prendre le temps d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est super. Et en même temps, mettre en pratique, c'est là où on va recevoir le véritable cadeau de cet investissement de temps qu'on a eu pendant cet apprentissage-là. Voilà ce que je voulais vous raconter au sujet de notre relation avec l'argent. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Là où je suis le plus active, c'est sur YouTube en ce moment. Et puis mon site pour en savoir plus sur ma vision énergétique. N'hésitez pas, si vous avez des questions, par exemple, si vous décidez de pratiquer après ce webinaire, je serai très heureuse de vous lire. N'hésitez pas à m'envoyer vos partages, vos questions aussi. J'adore échanger au sujet de l'argent, c'est un de mes sujets préférés. Donc allez-y, n'hésitez pas, ça me fera vraiment un très, très grand plaisir. Je vais arrêter le partage pour lire Oups. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, Chirage, pour cette excellente présentation. Est-ce qu'il y a des questions des participantes? Je lis en même temps pour voir. Merci. Merci pour vos mots. Parce que c'est vraiment difficile d'avoir le courage de demander un plein prix.
C'est vrai, ça nous fait quelque chose, hein? Ça nous trouble un peu de demander une valeur équitable pour nos services ou nos produits. Donc, c'était très intéressant à écouter. Donc, je vous remercie énormément. On va regarder un petit coup d'œil sur le chat. Oui, donc, toutes des félicitations et des remerciements pour vos perspicacités. Oui. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. C'est beau. Et vous avez aussi les informations contact de Chirage. Pourriez-vous, s'il vous plaît, les mettre dans le chat pour que les personnes puissent le poigner là, directement? Avec plaisir, donc je vais mettre le courriel. Hop. Super. Ça, c'est le courriel. Et puis, merci Mildred, très gentil. Et puis, il y a aussi le site. Puis, n'hésitez pas à connecter si vous en avez l'élan sur les réseaux sociaux. Je suis très réactive parce que c'est des sujets qui me passionnent. Je pourrais en parler pendant des heures. Donc, n'hésitez vraiment, vraiment pas. Je sais qu'on a tendance à avoir ce sentiment de ne pas vouloir déranger. Mais en fait, au contraire, moi, ça me nourrit, ça me donne aussi l'opportunité de voir comment j'explique les choses et pour améliorer aussi mes partages. Donc, n'hésitez pas. OK. Donc, je vais glisser un autre mot pour Paro. Paro est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin à travers la province de l'Ontario et prochainement à travers le pays pour certains de nos programmations. Donc, c'est en voie de développement. Je vous remercie, Chirage, pour votre temps ce matin, vos expériences et votre perspective, comment mieux gérer puis interagir avec l'argent. Donc, on va arrêter l'enregistrement maintenant et si les participantes sont un petit peu gênées, elles peuvent poser des questions après. Donc, mille et une merci, Chirage. Merci, merci pour votre confiance.